Maria vol van gratie en de Heer die is met u. Wees gegroet. Benedert het gij boven alle vrouwen. Gebenedert is de vrucht des lichaams, Jezus. Wees gegroet. Heilige Maria. Wees gegroet. Moeder God. Wees gegroet. Moi je m'appelle Albert et mon compagnon c'est Gus, diminutif d'Augustin. On est parti le lundi de Pâques à Anvers. On vient maintenant d'arriver et de quitter Lourdes. On a été très 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 bien accueillis au camping de la forêt. Merci beaucoup encore à Victor et son épouse pour nous avoir accueillis là. Et on part pour Saint-Jean-Pied-de-Port et on espère arriver vers le 10 août à Compostelle. La cadence est donnée par les ânes. C'est les ânes qui vont dire si on va faire 20 km, 25 km ou éventuellement 30 km. En fait, les deux ânes ont tous les deux 13 ans. C'est Boris, un mâle, et Nora, une femelle. Ce sont les cancéreux qui sont au milieu de notre projet. Et on a reçu plein d'intentions des personnes malades. Et ils nous ont demandé de brûler des cierges ici à Lourdes et aussi donc de poster des intentions. Et c'est très important pour eux et pour nous aussi. On est en lien avec l'hôpital Luzetta, là, c'est la clinique universitaire d'Anvers, qui fait pour le moment de la recherche sur l'immunothérapie. Moi, j'ai eu le cancer il y a 12 ans, et c'était un cancer assez fulgurant, et j'ai eu la chance de vivre encore pour le moment, et je me suis senti soutenu par les prières que les gens faisaient pour moi. Et c'est pour ça que je voudrais absolument faire le même pour d'autres personnes qui ouvrent leur cœur à la prière. Malheureusement, mon ami Guste, il a perdu son épouse il y a 8 ans, donc d'un cancer. Ce pèlerinage, on veut que ce soit les malades qui sont au centre de notre projet, les malades qui savent qu'on marche pour eux. Et nous, on est seulement des aboyeurs, comme on dit.